Salutations personnes de tout sexe et bienvenue dans cette courte vidéo où je vais vous apprendre comment faire le dernier niveau de Viewfinder pour ceux qui ne sauraient pas, avec un filtre très pratique. Non, ne t'inquiète pas Clem, pas besoin d'écrire. Donc tout d'abord, il faut prendre en photo ce truc là. Voilà. Ensuite, arriver dans ce monde, c'est très simple. Vous le posez et vous traversez. C'est immonde. Hop là. Ensuite, là où vous vous en foutez, vous pouvez juste continuer. Vous allez là. Vous prenez le pont en mode tranquille. Hop. Là, faut prendre en photo le pont. Très pratique. Vous allez ici. Vous allez prendre en photo ce truc là. Ensuite vous vous servez de ce pont là pour traverser. Le mieux c'est de le mettre approximativement là. Voilà. Vous pouvez passer sur le côté et avancer. Ok. Ensuite on prend en photo la batterie. Et ça. Voilà. Nickel. Ensuite, on a besoin du coup d'une impression de notre batterie. Ainsi que d'une impression du pont qu'on a pris tout à l'heure. Voilà. Ok. J'ai cru que j'allais pas réussir, mais c'est bon. Ensuite, vous prenez vos deux batteries. Et de une. Et de deux, logiquement. J'arrive même pas à discerner le sens de la photo, c'est pourtant simple. Alors, ensuite, vous placez un pont ici en mode dégueulasse, mais ça passe. Arrivé ici. Placer comme ceci et vous vous prenez en photo deux fois. Deux fois, c'est important. Voilà. Comme ça, hop, on se place de l'autre côté. On passe. Nickel. Arrivé ici. Vous allez reprendre votre belle radio. Attends, c'est laquelle? Ouais, je crois que c'est ça. Ouais, bien sûr que c'est ça. Alors là, si vous foirez, c'est pas grave. Vous reprenez une photo. Et vous le replacez là. Et ensuite, avec la photo, la deuxième que vous avez prise, vous n'avez pas besoin de vous faire chier avec tout le reste. Vous allez là. Hop. Et c'est fini. You did well. Voilà. Comment on passe ce niveau avec le meilleur filtre qui soit. Des bisous et à bientôt.